là, je suis arrivé en bateau et j'ai vu la ville apparaître petit à petit dans les brumes au loin, hein, à l'horizon. Et puis petit à petit, ça s'est agrandi. Et là, il y a eu une émotion, mais elle n'était pas violente parce que j'y étais retourné en avion. Et là, j'ai redécouvert la ville vue de loin. Et c'est peut-être le fait d'être parti en bateau et de revenir en bateau, de la redécouvrir, ça a peut-être fait le lien entre le départ et le retour. Et là, j'ai plus apprécié le retour. L'arrivée, l'amarrage, le remorqueur qui prend le bateau et qui le tire jusqu'à la ville. Là, il y a eu une petite chose qui s'est passée. Et là, j'ai été heureux de retrouver Oran. Ça a été, en plus, de me déplacer de manière individuelle avec ma propre voiture dans les rues, retrouver mes cheminements dans les rues du centre, Saint-Eugène, la cité des Castors, la cité Jourdain, le retour vers Mostaganem, longer les plages où on allait se baigner trop rarement, mais qu'on appréciait énormément. Donc tout ça, j'étais de nouveau le gamin. Ah putain. Ouais. Dur. Ah punaise. J'ai beaucoup pleuré dans ma vie. Mais alors là, il y avait longtemps. Là, c'est l'autre rive. Hein, on est sur l'autre rive, là. Et nous, on allait aux Andalous, un peu plus loin. Alors. Oui, ouais. Nous aussi. Ouais. Ah, on allait à Lensort et Lensort aux Andalous. Là où il y a tout ce qui est blanc. Ouais. Oui. Mais à l'époque, ça n'existait pas encore. Non, ça n'existait pas. Ben, nous, on habitait là-bas, mais il n'existait pas. On habitait encore plus, un peu plus loin. Ouais. Et l'odeur des algues, là. Le souvenir des oursins qu'on allait attraper, et les petits rougets qu'on mangeait. Oui. Voilà. Alors, cette énergie tournée vers les autres, elle vient du fait, à mon sens, que les populations sont d'origine diverse. Il y a la volonté de connaître l'autre. Et quand on veut connaître l'autre, eh ben, il faut aller vers lui. Et en allant vers lui, on s'ouvre et on l'oblige à s'ouvrir. Et cela crée une intimité qui est naturellement indéfinissable, mais très favorable dans l'évolution de la société et dans l'évolution d'une communauté. Et quand on parle d'Oran, on dit d'abord « je suis oranais ». Vous voyez, on ne dit pas « je suis né en Algérie » ou « je suis oranais ». Oranais, pour les oranais, c'est une étiquette, c'est une carte de visite.
je garde de très beaux souvenirs. Bon, d'abord parce que je les voyais pas de la même façon que mes parents aussi. Hein. Mes parents ont bien compris qu'on était en pleine guerre, mais nous, les enfants, ça ne nous touchait pas. Jusqu'au moment où il y a eu un revirement de situation et les Arabes qui étaient nos amis sont devenus nos ennemis. Certains, pas tous. Mmh. Et ceux qui sont quand même restés nos amis ne comprenaient pas. Ils nous disaient, c'est la guerre, mais nous, on ne veut pas cette guerre. Nous, on vous aime comme avant, quoi. Quand la guerre a commencé vraiment à bien se prononcer, mes petits copains avec qui j'allais à l'école, qui étaient des Arabes, et ben, du jour au lendemain, ils m'ont attrapé par la robe, ils m'ont dit, tu dis l'Algérie algérienne, sinon je te tue. Et alors moi déjà, avec mon caractère bien trempé, je disais, non, l'Algérie française, et puis ils me frappaient et tout ça. Et quand je rentrais en pleurant, ben, ma mère, elle me disait, bon, ben, tu vas plus à l'école, parce qu'en ce moment, ça chauffe. Ça a une odeur, les figuiers. Ça, ça me reste, l'odeur des figuiers. Et je suis incapable de me souvenir des noms des instituteurs, des gens de l'époque, comme ça, je ne sais plus. Je me souviens dans ma classe, alors il y avait des gens qui avaient des noms français, il y avait des gens qui avaient des noms très alsaciens, Schutzenberger, des noms comme ça. Il y avait plein de Hernandez, de Garcia, des noms espagnols, et il y avait les noms arabes aussi. Et des copains qui s'appelaient Rachid, qui s'appelaient Mohamed, etc. Et à l'époque, ça voulait rien dire pour nous, ces différences-là. C'est à la réflexion comme ça que je me souviens des copains et que je me souviens que maintenant, qu'ils avaient des noms tellement différents. Mais pour nous, c'était... Voilà, on était tous des écoliers, quoi. C'est un moment d'émotion terrible, là. Ouais. C'est bon, on y va ? On va y aller.